Bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Notman. Donc voici sur Penumbra Black Plague pour cette nouvelle session. La partie maintenant 13 je crois, il me semble. On reprend. Là. Dans la petite salle dans laquelle j'avais un peu galéré là dans la dernière vidéo. Je me suis rendu compte dans la dernière vidéo en fait à la fin que la course-poursuite qu'on avait fait dans le genre de tunnel, ça nous ramenait dans la salle à l'entrée en fait de la grande salle quoi, je me souviens plus du nom d'ailleurs. Ça commence à dater un peu. Et je voulais signer un truc que j'ai remarqué en regardant la dernière vidéo, qu'en fait le processus d'urgence voulait pas se déclencher parce qu'on était en état d'alerte. Bon, maintenant qu'on est plus en état d'alerte, que tout le bordel est vert là, que je peux ouvrir la porte. Qu'est-ce que ça fait si j'essaie de relancer le truc? Donc c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Ah, c'est là qu'il faut cliquer. Oui. 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 Non. Ouais. D'accord, c'est la même chose, c'est vraiment un subterfuge. Bon, on va refaire cette petite course-poursuite. Termination in 2 minutes. Fin de quoi? C'est la fin de quoi des haricots? Ah, saute. Ah. Je sais absolument pas ce qui me court dessus. Ah merde, faut que je me baisse, non? Non, faut pas que je me baisse, moi. Faut que je saute. Ça, on a quand même largement le temps, 2 minutes. Sauvegarde rapidement. Ah, on ne peut plus sauvegarder, d'accord, bon bah. Termination in 1 minute. On va se barrer alors. Avec cette substance, j'étais sur le point de me débarrasser de la maladie. Une fois guéri, j'espérais être capable de contacter l'esprit du Turngate. Comme l'avait fait mon père. Oula, j'ai du mal ce matin. Enfin, cet après-midi. Oh là, oui, j'ai vraiment du mal. Je devais savoir ce qu'il lui avait dit pour l'abattre à ce point. Je devais mettre un terme à ceci. Checkpoint. I know what you're thinking. You're thinking you've got a way to destroy me. Wanna know what I'm thinking? I'm taking you with me. Oh merde. Turngate, non! Wow, wow! Merde! Putain, je vois rien! Wow. Viruses can spread quickly. Avoid all unnecessary bodily fluid exchange. You do pay me out of it. Wouah wouah. Wouah wouah, eh. Je comprends. Mmh.
Rien du tout. La souris bouge toute seule. Waouh, ce truc de malade. Bon, par où il faut aller? Bon, j'ai pris la première salle. So, here we are, end of the line. No gold watch, no thanks for the laughs, Clarence. Nothing. Just a potion and a big fat screw you. Good times. Putain, j'ai... Je sais même pas où je suis, là. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression d'être allé au bon endroit. C'est marrant parce que je voyais absolument plus rien, quoi. Et puis mon gars se déplace un peu tout seul. Enfin, la souris... Je sais pas, c'est bizarre. Tiens, puis maintenant on a les... le bruit du bateau dans lequel je suis venu. Différentes notes avec une étrange formule chimique. J'ai bien peur que les composés chimiques complexes ne soient pas mon point fort. Azote. S'effondrer, d'accord, c'est qu'il y a un truc derrière. Des coupures de journaux de 1999, c'est difficile à lire, mais on dirait que ça parle d'une maladie qui se répand dans la population locale. Ça n'a pas l'air de marcher. Je peux pas prendre une putain de chaise là pour défoncer le bordel ? Mais d'autres pièces. Cette session commence sur les chapeaux de roue, décidément. On dirait que quelqu'un a voulu s'assurer que tout ce qui était dans cet ordinateur reste un mystère. Aussi bien. Différents équipements de nettoyage comme du savon, des éponges, des détergents et des bouteilles de gaz. Là, il y a un truc là. Putain. Yeah. Iodine, je pense que c'est de l'iode. C'est une grille qui recouvre un conduit de ventilation. C'est fermé solidement, il doit y avoir un autre moyen d'entrer dans les conduits. Petite trace sympa. Oh, puis petite tache sympa. Enfin, c'est une tache là, c'est une flaque. D'accord. C'est bloqué de l'autre côté. Note. Dans la salle d'examen, il y a une porte bloquée qui empêche toute progression. Donc, il va falloir passer par la ventilation. Et j'ai quoi à ma disposition pour la ventilation? Si. Comment est-ce que ça va marcher? Alors, il y avait une étagère qui tenait pas beaucoup en place dans l'autre salle. Ou alors peut-être que je peux la déplacer, non ?
pas récupérer un briquet dans le nord là, dans le froid. Mais j'ai plus de briquet. Bon bah je sais pas. Un autre moyen. Toi. Est-ce que je peux sortir? Oui, je peux sortir. Si seulement je sais où j'étais. Examination room, c'est bien là qu'il fallait que j'aille apparemment. Ah, je ne suis pas seul. Je vais... Enfin, comment faire pour... Ah. You know, all these drugs, there's bound to be a big old needle at the end of this. That'd be enough to put any man off. No shame in that. You don't want to catch anything. One virus is enough for anybody. Ouais. Alors il y avait combien de... 1, 2, 3... Il y avait 4... 4 ingrédients si je me souviens. J'en ai trouvé 3. Certainement un qui traîne encore quelque part. C'est pratiquement illisible, on dirait des notes prises à l'aide sur différents traitements. Je vais essayer de ressortir de la salle, peut-être que j'y suis allé trop tôt. Vu que j'y suis allé un peu à la hâte. Putain, je sais vraiment pas où je suis, hein. D'accord. Thank you.
Ça c'est quoi? Ça c'est le... Examination Room? On va essayer de faire gaffe au Turn Gate qui est dans le coin. Je sais plus où je voulais aller moi, merde. Non, je suis revenu. Là, d'accord. Ça bougera pas, pourquoi? Pourtant c'est bien cette porte là que j'avais pris le dernier coup pour aller au Chemical Lab. Merde. Il est pas sous. Faut que je sache où il va. Putain la vache. Hop, c'est voilà. Putain! Il faut que je trouve un plan. Il me faut un plan là. Ça va devenir urgent. Je suis un petit peu perdu. Je suis revenu là. Bon, les portes, il me semble qu'elles sont toutes fermées. Le examination, il est là. Il faudrait que j'aille dans la pièce qui est là, mais le conduit est fermé. Est-ce qu'en allant directement à droite et tout en bas, je vois qu'il y a trois portes là, est-ce que je peux les prendre? Sachant que le Turn Gate a l'air de patrouiller par là. Ça c'est bizarre, il patrouille, je sais pas où trop il patrouille. Ouais, ben on va essayer de les faire comme ça. Non, je vais où là? Attends. Putain! Non, je suis là. J'étais pas là, j'étais là. Faut que je fasse le tour. J'aille à droite, gauche, droite. Ok, bon. Ok, d'accord, on va faire comme ça.
D'accord, ouais, donc je sais pas. J'ai dû aller à peu près partout là. Mais elle est bizarre cette pièce parce qu'elle sert. Elle sert à rien. Seul. Oh non! Putain! Quel salopard! Putain de merde! Si seulement il avait pas défoncé la porte en fait, ça me protégerait, parce qu'il passe par là. Donc moi je suis normalement juste à gauche là, et je sais vraiment pas où aller. Comment faire pour atteindre le ventilation? Il faudra peut-être que je passe là où il y a le turn gate, non? Et que je retourne dans les portes là-haut. Je vais essayer. Merde, tant qu'à faire. Faudrait que j'aille. Attends, hop. Faudrait que j'aille. Là, je suis là. Faudrait que j'aille tout droit. Et que je prenne la première à gauche. Je sais pas où il va. Ça, c'est chiant. C'est bon, je le vois. En plus, c'est là où il va, donc je vais attendre qu'il fasse demi-tour. Et qu'il tourne. Ah, il fait déjà demi-tour, il est rapide. Ah, putain.
Ok. Bon, je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Bon, on va retourner dans la salle d'examen. Ah d'accord, ouais, ok. J'ai tourné, je sais pas trop où. Non. Diminution room par là, bon bah. C'est quoi Kennel? Kennel. J'ai pas de bol, hein. Je pense que j'ai pas le choix, alors. Je sais pas où je suis, encore. Je suis passé là. Ah si, je suis là. Bon, d'accord. Là, la porte est fermée. Oh putain, non, faut que je refasse le tour. Oups, oups, oups. Merde. You there. Ah putain, puis je lag en plus. Ah. 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 Ça y est. Oh non, putain, il me fait chier, c'est quoi le problème ?